Voilà comment vous avez une structure anatomique dans le bois de manière visuelle, un résineux et un feuillu. Ce n'est pas très différent, mais sous la loupe, ça devient différent. Vous avez les cernes annuelles, bois initial, bois final, avec des petites taches ici. En fait, c'est des canaux résinifères. Et ces canaux résinifères, c'est des structures très intéressantes qui s'incorporent dans le bois. Et le bois est complètement irrigué de résine, pas chez toutes les espèces, verticalement, mais aussi horizontalement. Et lorsque vous avez une blessure, la résine peut s'écouler. Et cette résine provoque comme une occlusion de cette blessure et protège la blessure contre l'entrée des champignons. Donc la résine, c'est aussi encore une substance comme les polyphénols dont on parlait avant, extrêmement précieuse, médicamenteuse. Il y a des quantités de substances qu'on peut en tirer. Et là aussi, on avait une tradition de récolte de la résine dans les Landes, par exemple. Et là, c'est les cellules du bois, les cellules du bois final, du bois initial, ici, agrandies. Et là, c'est un feuillu, un chêne pédonculé, vu à l'œil nu et sous la loupe. Vous avez donc ici les gros vaisseaux du bois initial et les structures beaucoup plus denses, beaucoup plus compactes du bois final. Ici, agrandies encore un peu plus, c'est des très grands vaisseaux qui sont capables de conduire l'eau à très grande vitesse dans la couronne. Le chêne fait les choses très rapidement en début de croissance. Au printemps, il est capable d'acheminer l'eau à des très grandes vitesses dans la couronne. Et ça, c'est de nouveau l'image de cette anatomie fonctionnelle. C'est la capacité d'amener l'eau dans la couronne différemment chez le chêne par rapport au résineux. Ça se fait très rapidement grâce à ces grands tubes, ces vaisseaux. Ça, c'est une coupe transversale, ces vaisseaux qui amènent l'eau dans la couronne par rapport aux cellules qui sont toutes fermées les unes par rapport aux autres et où les transferts se font latéralement chez les résineux. Là, c'est une vitesse de quelques centimètres ou décimètres à l'heure. Et là, c'est plusieurs dizaines de mètres parfois à l'heure où l'eau peut circuler. Donc là, vous avez des différences importantes aussi de perméabilité et de vitesse de conduction. Pour chaque essence a ses particularités anatomiques de structure. Ici, un sapin blanc ou sapin pectiné. Et là, il y a une caractéristique, on appelle ça un résineux, mais il a de la résine ailleurs que dans le bois. Il a de la résine seulement dans l'écorce ou lorsqu'il y a des blessures. Sinon, le sapin blanc n'a pas de canaux résinifères dans le bois. Donc, pour le travailler, c'est intéressant. Il n'y a pas de poche de résine dans les planches, dans les poutres, contrairement à l'épicéa qui en a. Ou bien le mélèze, il a aussi des canaux résinifères qu'on voit ici, surtout dans le bois final. Le bois initial est ici plus clair. Le mélèze, très riche en résine. Et là, vous avez les bois tropicaux, avec parfois des cellules très denses, à parois tellement épaisses qu'on croit que c'est qu'une masse compacte, mais c'est chaque fois des petites cellules avec une paroi très épaisse, très riche en polyphénol. Ça, c'est le Wenge, Milletia, une essence tropicale d'Afrique. Et ici, vous avez le chêne rouge, avec une très belle différenciation entre bois initial et bois final. Un très beau chêne qui est aussi peut-être un peu moins durable que le chêne pédonculé, mais il a des dessins magnifiques, un bois très régulier qui va aussi très bien pour l'intérieur. Voilà. Là ensuite, il y a la notion de géométrie et du nombre d'or. On pourrait revenir si vous êtes intéressé plus tard là-dessus. Il y a une relation intéressante en ce que j'ai dit avant, les essences pionnières, les essences de demi-lumière, de demi-ombre et d'ombre. Donc, les essences pionnières et les essences de la forêt du climax. C'est donc cette notion de bois clair à croissance rapide. Ici, c'est un bloc de balsa. Tous ces blocs ont le même poids. Ils sont mis sur une balance, ils ont le même poids. Et ce bloc-là, c'est peut-être un acajou ou un bois de rose, je crois. Et plus vous avez un bois clair, plus les blocs sont grands. Les blocs les plus gros, c'est les bois clairs. Et les blocs les plus petits, parce qu'ils ont tous le même poids, sont les sombres. Et là, vous avez sur une seule image cette belle règle rendue explicite. C'est que lorsque le bois est clair, il a poussé rapidement. Pourquoi ce bois est-il clair? C'est parce qu'il n'a d'abord pas de polyphénol, pas de tanin sombre. Et en plus, les parois cellulaires sont très fines.
Et la proportion d'air d'un bois tel que le balsa est très élevée. C'est presque une masse, c'est presque de la mousse de bois, le balsa. C'est très léger, c'est surtout de l'air plutôt que du balsa. Vous avez une densité de 0,12 dans le balsa le plus léger. C'est 10 fois plus léger que l'eau. Donc le 0,9 restant, c'est du volume aérien, c'est des bulles d'air dans ce bois, chaque cellule étant comme une bulle. Donc c'est pour ça que c'est comme la neige aussi, c'est surtout de l'air qui est reflété par la lumière. Et plus le bois est sombre, ça signifie qu'il a des parois cellulaires épaisses, il a ses substances, il a une densité élevée et il est résistant. Donc vous avez cette opposition en essence de croissance rapide et en essence de croissance lente. Et les utilisations seront toujours intéressantes. Vous n'avez pas des bons bois et des mauvais bois. Avant, on parlait de bois blanc comme n'ayant pas de valeur. Mais aujourd'hui, on découvre ces bois blancs comme étant très importants. Pourquoi est-ce qu'on emploie le balsa, par exemple, technologie moderne ? Les avions, exactement. Mais pas seulement les modèles réduits, mais aussi, il y a une technologie très récente, c'est les hélices des éoliennes. Sont faites avec balsa combiné avec de l'aluminium. C'est le matériau idéal. Il y a vraiment un développement très important. Et maintenant, lorsqu'on sait que les énergies alternatives, les énergies durables deviendront importantes, les éoliennes, sitôt qu'on voit une éolienne, si on voit du balsa dedans, ça signifie qu'il va falloir des forêts, il va falloir de nouveau créer ce bois, offrir ce bois sur le marché, ça signifie aussi une foresterie rentable, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui part dans les éoliennes, mais cet argent va diffuser jusqu'à la production de balsa. Donc c'est des paysages qui sont impliqués dans, dans ces technologies intéressantes. C'est un bois de quelle région ? C'est l'Équateur à l'origine, Amérique du Sud, mais ça se plante aussi dans les Caraïbes, un peu partout, ça s'implante un peu partout. Croissance extrêmement rapide, c'est des bombes végétales, ça c'est vraiment, il faut le climat pour ça. Voilà, ça c'est intéressant, les nouvelles technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bois, ils ont aussi leurs odeurs, ils ont aussi leurs applications pour le confort intérieur. Par exemple, le bois d'arôle, je crois que j'en ai amené ici. Oh, j'ai oublié de le mettre. C'est le pin sambro qu'on a dans les Alpes, Alpes françaises, Suisse, autrichienne, Slovénie. On a aussi le pinus sembra, le nom latin, en Sibérie. Il a une odeur très caractéristique, c'est une odeur de pin, sur laquelle on a découvert quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que lorsque vous dormez dans une chambre qui a un lit fait avec ce matériau, ce bois-là, ou bien une chambre qui a été doublée, qui a été lambrissée avec ce bois, vous avez une qualité du sommeil médicinalement, c'est prouvé, différente, améliorée. On a comparé des gens qui dormaient dans leur lit habituel, comparé des chambres avec un lit en arôle, ou bien lambrissé en arôle, mais aussi, alternativement, on les a fait dormir dans des lits en imitation de ce bois. Ce bois imité, c'est connu, c'est des technologies modernes, c'est du panneau de fibres denses avec un recouvrement, c'est du bois photographié en fait, c'est du matériau synthétique avec une photographie de bois, même avec un profil physique, et c'est parfois extrêmement bien imité, y compris les nœuds et tout ça. Donc, imitation bois ou du vrai bois d'arôle. Et on s'est rendu compte que les clients, les patients, ou bien les personnes qui ont subi ce test, ont dormi bien mieux dans les lits en arôle authentique que dans les lits en imitation arôle, alors qu'ils ne savaient même pas pourquoi on les testait. Ils ne savaient pas que c'était une différence, parce qu'ils ne pouvaient pas, en tant que non-professionnel, voir la différence entre les deux bois. Et ils dormaient même mieux dans la nouvelle situation en vrai bois d'arôle par rapport à leur lit habituel, parce qu'ils étaient une semaine ici, une semaine là, une semaine là. Et avec toutes les garanties de la recherche scientifique médicale, on a pu mettre en évidence une recherche autrichienne de Graz
que non seulement pendant la nuit, ça c'est les heures nocturnes, le battement de cœur est réduit dans sa fréquence, mais aussi dans la journée qui suit, on a un effet récurrent. On a bien dormi, mais on se sent mieux la journée qui suit. Pendant ces périodes-là, les gens ont montré une réduction du battement de cœur, un calmement de l'activité cardiaque, à raison de 3500 battements de cœur par jour, par nuit et jour. Ça signifie une heure de battement de cœur économisée. Et c'est absolument étonnant. Ils ont pu valider quelque chose qu'on savait traditionnellement. On savait depuis toujours, dans les grisons, par exemple en Suisse, où on emploie ce bois, que lorsqu'on est dans, par exemple, des cafés, dans des auberges qui sont meublées avec ce bois-là, ou bien qui ont des structures en arôle, les gens sont beaucoup plus paisibles, tapent le carton sans se taper à la fin, à main nue. Parce qu'ils sont calmés ou pacifiés par ce bois. Et c'est une validation qui vient d'avoir lieu par une recherche médicale. Et ensuite, ces chercheurs ont fait des études avec des classes, des salles de classe dans des écoles. Ils ont comparé des salles de classe, tout étant resté identique, lambrissées en bois, avec des parquets en bois, avec du mobilier en bois, par rapport à des salles standards, comme on les a malheureusement partout. Et ces élèves ont été étudiés aussi au niveau du rythme cardiaque, mais aussi au niveau de la résistance au stress, du plaisir à travailler, du plaisir à s'échanger. Et ils se sont rendus compte que la différence est vraiment importante. De nouveau, ils ont découvert, non seulement pour la rôle, mais pour d'autres essences, une réduction du battement cardiaque à raison de 3000 et plus battements de cœur par jour pour les enfants, une résistance au stress supérieure lorsqu'on est dans des classes en bois. Et pour les enseignants un peu moins positifs, c'était des classes beaucoup plus vivantes, donc un peu plus difficiles à maîtriser du point de vue de la discipline, parce que les enfants étaient beaucoup plus heureux et beaucoup plus, plus vifs et moins engourdis que ce qu'on a malheureusement souvent. Donc voilà, ça c'est des apports qui nous concernent pour notre environnement direct, mais si vous êtes agroforestier, vous allez produire ces bois-là, et avec une certaine quantité de bois, on peut faire des structures où il faut un certain volume. Mais lorsqu'on pense à aménager un intérieur avec très peu de volume, on fait des grandes surfaces. Il suffit de dimensionner l'épaisseur des planches. Et lorsque vous faites des planches de 1 cm d'épaisseur, vous avez déjà une atmosphère en bois avec ces effets-là. Donc là aussi, il faut ouvrir cette perspective et l'agroforesterie pourra de nouveau être productrice de produits de haute qualité avec ses effets sur la santé. Et ça, c'est chaque fois différent d'une essence à l'autre. Voilà, quelque chose maintenant de plus standard, c'est concernant la biodiversité. Là, on connaît tout ça. Les forêts sont riches. En biodiversité, on a, ce que j'ai dit avant, un trésor de biodiversité dans les forêts, mais surtout dans les forêts tropicales. Chez nous, une soixantaine d'essences forestières sont considérées comme principales en Europe centrale. Mais le nombre total d'essences forestières qui poussent sur le monde, c'est entre 50 000 et 100 000. On ne sait même pas exactement. Tout l'inventaire n'a pas encore été fait. Toute la description, la définition, l'analyse de ces essences reste à parfaire. C'est des espèces d'arbres qui poussent principalement en zone tropicale. Et là aussi, on a un besoin urgent de stopper les déforestations, surtout dans des endroits très particuliers où on a aussi des espèces endémiques, parce qu'on a un risque d'érosion d'espèces. Surtout en considérant cette richesse d'espèces végétales qu'on connaît encore trop peu. Et lorsque j'ai parlé avant des effets de l'arôle sur la santé humaine, ou bien du chêne, de l'épicéa pour les salles de classe, imaginez ce qu'on a comme surprise qui nous attend dans les forêts tropicales, tous ces bois, on n'en connaît même pas les effets physiologiques, en plus des effets, des propriétés mécaniques pour la construction ou autre. Voilà, là une richesse énorme qui nous attend, qui nous est disponible pour diversifier notre environnement. Donc on sait tous à quel point un chêne est riche
en espèces, il y a un millier d'espèces qui peuvent vivre sous forme d'insectes, par exemple, dans une même couronne d'arbres, que ce soit des insectes microscopiques ou plus grands comme les champignons, comme les papillons, par exemple. L'importance des haies, tout ça, c'est du savoir que vous maîtrisez aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus les arbres sont structurés, sont vieillissants, les trognes sont extrêmement importantes pour la diversité parce que vous avez à la fois du bois en train de mourir, en train de s'humifier, et du bois jeune. Et là, vous avez un maximum de possibilités de niches écologiques, y compris en zone souterraine, lorsque vous avez ces arbres qu'on a trop longtemps sous-estimés. La trogne est vraiment un trésor à remettre en route, mais pas seulement, il faut aussi les vrais arbres avec leur couronne naturelle, mais les trognes sont vraiment quelque chose de très prometteur. Il y a une conférence internationale sur les trognes qui aura lieu du 1er au 3 mars cette année en Pays Basque, à Sarre, et je vous invite à y participer si ça vous intéresse. Là, on a vraiment des choses très intéressantes à mettre en évidence, non seulement du point de vue de la biodiversité, mais vraiment de l'efficacité des systèmes agricoles. On peut étudier les systèmes continentaux comme forêts tropicales humides, les savanes boisées ou les zones savanes sèches et les steppes herbeuses. Les zones où la biodiversité est maximale, c'est là où vous avez une interaction entre les zones ouvertes et les arbres. C'est comme la lisière forestière chez nous. Au niveau du continent, la plus grande richesse en espèces, ce n'est pas l'intérieur. En espèces végétales, peut-être oui, l'intérieur de la forêt tropicale humide, mais en espèces animales, c'est là où il y a l'interaction entre les arbres et les zones ouvertes. C'est donc toute la zone de savane. C'est là-bas que vous avez les grandes populations animales. Et c'est en fait l'image de l'agroforesterie. Vous avez dans l'agroforesterie la plus grande possibilité d'interaction entre les arbres et les zones ouvertes, aussi au niveau de la vie animale. Donc vous avez toute la gradation des steppes herbacées, combinaison avec les arbustes, et la savane herbacée, herbeuse, avec ces populations animales parfois impressionnantes qui profitent à la fois de la végétation herbacée, des pâturages, mais aussi, lorsque ça devient très sec, vous avez toujours encore le fourrage des arbres. Ce qu'on connaissait autrefois, on faisait aussi une gestion du fourrage des arbres, des frênes ou des ormes, chez nous également. Donc, encore une fois, n'oublions pas les arbres dans les systèmes agroforestiers et les systèmes d'agro-sylvopastoral. Voilà, on a une connaissance intéressante par rapport à la diversité, c'est qu'à l'époque où les bocages étaient au maximum, ici on a une représentation des paysages avant l'intervention humaine, le néolithique, le Moyen-Âge, et la diversité en espèces, est représentée ici sur cet axe horizontal, a été maximum. Non pas à l'époque sans intervention humaine, mais à l'époque du bocage dans son expansion maximale. Dans toute l'Europe, on n'avait pas que des bocages qu'en France, mais là, vous avez des beaux systèmes qui sont restés maintenus. Dans les bocages, par la main humaine, on a des systèmes forestiers qui ont été ouverts et qui ont rendu possible que des espèces animales végétales qui normalement pousserait ou se développerait plus au sud ou à l'est, Europe centrale continentale ou au sud où il fait plus chaud, lorsque vous créez un bocage, vous créez des microstations qui sont beaucoup plus intéressantes en été, plus chaudes, plus sèches, que lorsque vous avez une forêt en permanence fermée. Donc ce bocage a permis l'immigration d'espèces qui sont plus continentales ou plus normalement implantés dans des zones plus chaudes. Et ça a permis à une explosion en espèces dans cette culture marquée par le bocage
avant l'ère industrielle. Ensuite, vous avez eu la progressive disparition de ces paysages bocagers, et avec eux, beaucoup d'espèces ont aussi dû disparaître. Pensez à la pie grièche, par exemple. Cette pie grièche ne fonctionne pas en forêt fermée, mais dans des champs sans composantes arbustives, elle ne peut pas fonctionner non plus. Il lui faut aussi des insectes, naturellement. Voilà. Les cycles de l'eau sont aussi très importants. C'est donc ce qu'on a mentionné comme étant l'élément limite dans notre fonctionnement agricole, agroforestier, permacultural. Et là, vous avez ces grands cycles de l'eau, la forêt qui fait l'évapotranspiration, tout ça, on en a parlé avant. Peut-être un chiffre, ici, pour 100% de précipitation, la forêt réenvoie par retour d'ascenseur 45%. On pourrait se dire, mais ces 45%, on devrait les garder pour l'agriculture. Donc, enlevons tous ces arbres et on aura 100% des précipitations. Mais c'est oublier ce qu'on a dit avant, c'est que les précipitations, ça provient des nuages et les nuages proviennent des forêts. Et les précipitations sont aussi initiées par les forêts. Donc, ces précipitations n'ont pas lieu simplement par hasard. C'est grâce à ces immenses cycles hydriques alimentés et mis en route par les forêts. Donc, supprimer la forêt, vous introduisez non seulement l'érosion, mais aussi la diminution des pluies. Et les forêts, en fait, il faudrait dire ici, elles n'évapotranspirent que 45% des 100% de précipitations dont elles sont à l'origine. Et le reste, les 55% restants, ils sont disponibles. C'est alimentation de la nappe phréatique, alimentation des rivières, des sources et aussi alimentation de l'humidité locale, la rosée par exemple. Donc, l'arbre est vraiment le moteur de ces cycles hydriques et de la qualité de l'eau. Là, on peut la quantifier. La capacité d'infiltration est bien plus grande dans les forêts. C'est très simple. Vous prenez un cylindre et vous le plantez dans le sol. Après une récolte, vous faites dans un sol qui a été cultivé de manière intensive avec des grosses machines, ou bien vous plantez votre cylindre dans un sol forestier, vous remplissez le cylindre d'eau. Vous n'arriverez peut-être pas à le remplir d'eau lorsque vous êtes en forêt, parce que ça traverse, ça percole en permanence. Et lorsque vous êtes en terrain compacté, malheureusement, par trop de labour, trop de mécanisation, trop peu de matière organique, cette eau va stagner dans votre cylindre pendant très longtemps. Et là, vous avez une très belle manière de quantifier, d'estimer la capacité de vos sols de recevoir de l'eau. Et là, c'est vraiment important. Donc ces sols forestiers, comment est-ce qu'on peut les obtenir? On va voir que c'est grâce à la matière organique d'origine ligneuse aussi. Donc les extrêmes de précipitation, les crues, sont bien plus limités en zone forestière qu'en zone entièrement vide. Donc une image pour montrer à quel point les forêts sont liées aux petits cours d'eau, aux grands cours d'eau, à la qualité de l'eau, à la transparence de l'eau et à la vie aquatique. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau de pluie a une certaine composition en azote, en phosphore, en potassium, en calcium, en magnésium. C'est de l'eau qui n'est pas entièrement pure, entièrement neutre. Et l'eau issue des forêts est rééquilibrée par rapport à ces éléments. Par exemple, les entrées d'azote, c'est des entrées problématiques. Actuellement, on a observé une modification de la végétation dans les forêts. Une végétation naturelle, elle est beaucoup plus devenue une végétation de plantes indicatrices d'azote, de richesse du sol. Et ça, c'est un problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau forestière qui ressort des forêts, dans les sources, dans les rivières, est beaucoup plus pauvre en azote. Ça veut dire que la forêt a capté cet azote et a transformé l'azote en vie organique dans la terre et a rendu l'azote utile. Alors que si vous laissez l'eau de pluie directement s'évacuer en surface pour alimenter les fleuves, ce sera une eau beaucoup plus riche
en azote, donc eutrophisation, pas seulement à cause du phosphore, qui est aussi un problème. Et d'autres éléments sont aussi rééquilibrés. Le phosphore est aussi limité dans les eaux résiduelles de forêt. Donc on a un rééquilibrage de l'eau qui est important et une purification. Voilà, là je vais passer rapidement sur ce cycle de l'eau concernant les forêts tropicales. J'ai ça aussi sous forme imagée. La forêt tropicale comme éponge de biomasse, dont on a parlé avant. Et maintenant, cette forêt brésilienne, le bassin amazonien, les Andes. Et là, ce cycle qui se répète, et c'est cette recherche de Makarieva et de Gorshkov, sortie en 2014, mais ils ont travaillé longtemps avant là-dessus, sortie avec Bunyard, c'est un très grand scientifique anglais qui fait comment est-ce qu'on appelle ça ? La simplification de recherche ou bien de vulgarisation, merci, je cherchais le terme, de recherche scientifique pour en faire profiter le public. Donc il s'agit de ces cycles répétés d'évapotranspiration-précipitation qui ont lieu 6 ou 7 fois depuis l'Atlantique jusqu'à la chaîne des Andes, et ensuite on a un effet de répartition contre le nord et contre le sud. Et là, c'est une alimentation du Gulf Stream qui profite même aux zones européennes. Donc, un rééquilibrage climatique grâce à ce moteur climatique équatorial. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Je pourrais mentionner ça comme étant l'urgence numéro un, c'est de maintenir ce massif amazonien le plus intact possible et de le reconstituer, parce que c'est vraiment un milieu tellement important pour l'ensemble de la Terre, c'est le cœur climatique de la Terre qu'il faut maintenir ici. Et les cycles de l'eau fonctionnent selon des lois très particulières qu'on peut illustrer par exemple avec une corne de koudou, une antilope africaine. Tous ces cycles organiques sont visibles, sont lisibles dans la nature. Et un grand chercheur sur l'eau a comparé les cycles de l'eau, les mouvements de l'eau dans les organismes à cette forme de la corne du koudou. Là aussi, on pourrait entrer dans le sujet de manière plus en détail. Peut-être pas pour aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la formation des méandres qui est très important. Et aujourd'hui, on fait des renaturations d'anciens cours d'eau qui étaient endigués pour permettre aussi, lors de crues, que l'eau puisse repénétrer dans la nappe phréatique de manière beaucoup plus efficace que si elle est obligée de couler dans un canal rectiligne. Donc les cycles de l'eau, ce que j'ai dit avant, 300 kg d'eau pour 0,5 kg de matière nouvelle, 1 kg de matière sec, c'est donc l'eau la plus efficace a lieu dans la formation de biomasse ligneuse. Donc ici, lorsqu'on a un système limité en eau, donc zone tropicale en train de combattre contre l'avancée du désert, quelle est la forme ligneuse la plus efficace pour le peu d'eau qu'on a à disposition ? C'est vraiment l'arbre qu'il faut mettre en place le plus vite possible, parce que c'est lui qui transforme ça de manière la plus efficace. Et grâce à la mise en place des arbres, on va réussir à maintenir l'eau sur place plutôt que de la laisser s'écouler en surface. Donc ici, on pourrait encore aller en détail concernant les matières organiques. Lorsque vous avez une décomposition de matière organique, c'est aussi important pour nous de savoir ça. Un compost enrichi en ligneux, par exemple, un sol qui se reconstitue, un sol qui s'enrichit en matière organique, c'est une matière qui est sans arrêt en train de se minéraliser. Vous n'avez pas une matière organique définitive. Certaines parties restent très longtemps, des décennies, parfois des siècles, matière organique stable. Mais d'autres parts de la matière organique sont sans arrêt en train d'être minéralisées par le travail des micro-organismes. Et cette minéralisation signifie
une forme de combustion lente. La matière organique est oxydée grâce à l'oxygène, ça redonne du dioxyde de carbone et ça redonne de l'eau. Et cette eau, due à la transformation de matière organique en matière minérale, ou bien en CO2 et en énergie, cette eau est aussi de l'eau nouvelle, parce que l'oxygène de l'eau provient de la matière organique et de l'oxygène qui a permis d'oxyder cette matière organique. C'est de l'eau nouvelle aussi. Et cette eau s'ajoute à l'eau nouvelle formée lors de la photosynthèse. Donc les deux processus, photosynthèse et matière organique, sont deux sources d'eau nouvelle qui s'ajoutent. Et on peut calculer que cette eau nouvelle-là s'ajoute à la première et vous avez finalement plus d'eau de cette qualité-là que de biomasse formée et décomposée. Voilà pour le bilan global de cette question d'eau nouvelle. Donc on peut mettre des chiffres là-dessus, je ne vais pas trop m'attarder. Une nouvelle vision de l'eau, on n'a pas trop de temps pour s'attarder là-dessus non plus, c'est aussi mentionné dans le livre. On a une eau de qualité différente, les chercheurs ont appelé ça la quatrième phase de l'eau, the fourth phase of water. Gerald Pollack, c'est l'auteur de cette découverte qu'il a développée, il s'est rendu compte que lorsque l'eau est en contact avec des membranes hydrophiles, c'est donc toutes les membranes végétales sont hydrophiles. Les plantes sont hydrophiles, sauf la cuticule, par exemple. Mais à l'intérieur des feuilles, c'est des systèmes qui interagissent avec l'eau. Et là, l'eau acquiert des nouvelles propriétés qu'on appelle propriétés, ou bien l'eau a une propriété en zone d'exclusion qui s'autopurifie, qui est formée de systèmes en cristaux liquides. Des nouvelles découvertes qui montrent que l'eau s'autopurifie lorsqu'elle est en contact avec des membranes organiques, par exemple. Même dans notre corps, on a de l'eau de cette qualité-là, en zone d'exclusion, autopurifiée, parce que nos membranes, nos systèmes lymphatiques ou notre système veineux artériel est aussi fait de membranes hydrophiles. Donc cette eau de la végétation, en particulier des arbres, a ses propriétés particulières.